Salut tout le monde! Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc, je sais même plus ce que je devais faire. Ah là, Forsena, c'est vrai, Forsena. Donc, du coup. Là, non, c'est par là. Let's go! Bon, j'ai pas joué hein, entre temps. Je voulais jouer, je voulais avancer un petit peu l'histoire de Hawkeyes, Durant et Charlotte. Mais non. Ouais, c'est vrai, les ennemis en armure. Je pense que plus tard il va y avoir des ennemis en... avec protection magique ou un truc comme ça. On va devoir les attaquer à la magie, je pense. Enfin, on verra. Bah les go. Bon, est-ce qu'on se tape un petit peu les monstres pour essayer de leveler? Bah, ah bah attends, du coup, c'est un pupillé. Voilà, c'est bon, hop. Mais par contre, arrête d'utiliser ta magie, toi, tu peux en avoir. Oula, j'ai fait un petit peu enchaîner là. Voilà, c'est bon, il y a trois terres. Hop, pim, 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 hop. Piu, piu, piu. On utilise un petit peu trop la magie, Angela là. Angel. Ah, je paye sur. J'avais pas vu. J'ai pas été la dernière fois. Il y a un coffre en plus. Ok, faut avoir ça. Juste ça, t'es sérieux? Je peux avoir une tablette de chocolat. Non, ça c'est pour le bateau. Ça. On va devoir avoir. On va peut-être avoir un bateau. Non, prends-le. Ouais, graine. Oh putain, une graine d'objet. La dernière fois, on avait donné 10 graines d'objet. On a eu. Je sais plus ce qu'on a eu. La pix. Bah, du coup, il n'y a rien. Il n'y a pas de sort ni rien. C'est dingue, hein. Hop, voilà. Ah, ils l'ont déjà one-shot, ouais, mais après j'ai taille de compte dessus. Enfin, ils l'ont déjà shooté l'autre adversaire. Tiens, toi, je te mets à terre. Toi, je te frappe. Deux fois qu'il m'attaque, deux fois qu'il j'esquive sans le vouloir. C'est trop bien ça. DMP. Hop. Bah, je sais pas. Ah non, la barre bleue. D'accord, ça c'est la barre bleue. Mais du coup, c'est les violets, les manas. Bah oui. Je me demandais si. Ah, un coffre. Je n'ai pas pris le coffre là. Est-ce que les coffres reviendraient? Une coupe céleste. Bon, bah, à voir, je suis nul. Hein, parce qu'il me donne tout le temps des objets de réanimation. Ah bah non, je l'avais loupé. Vraiment, pour louper ça, faut le faire. Hein. Hop. Je vais prendre ça. Hop. Hop. Boum. C'est embêtant qu'on est obligé de prendre quelqu'un dans son équipe. J'aurais bien. Après, on peut les laisser morts, hein, mais. J'aurais bien essayé de faire un mode solo. Solo battle sur un. Essayer de faire le jeu solo quoi, enfin avec un seul personnage quoi. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Mais bon, je pense pas qu'on peut le faire, hein, sinon ça serait trop cool. Enfin, ça serait trop bien quoi. Moi j'aime bien me donner des petits défis comme ça. Bon là, c'est là où il y a le plus de. Ok, le truc a bugué. Voilà. En fait, c'est assez simple. Hein. Une fois qu'ils vous ont visé avec leur magie ou quoi que ce soit, il suffit de taper, quoi. Enfin, il suffit d'aller dans le dos et de taper dans le dos, quoi. Bon, c'est fourbe, mais voilà.
Là-bas, on avait été chercher tous les coffres, je crois. Ouais, on pouvait pas aller plus loin. Donc du coup, on va passer par en haut pour la force Enna. Voir ce qu'il y a. Forcena, voir ce qu'il y a. Par contre, j'ai pas regardé mon micro. Est-ce qu'il est en mode? Ouais, c'est bon. Il est en mode, je capte que ce qui vient devant. Donc c'est cool. Désolé hein, si vous entendez le micro, c'est que j'essaie de le replacer sans trop la brèche. D'accord. Si vous voulez. Bon, par contre, on est un petit peu. On est par là. Non, bah non, c'est des villes, pas besoin. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici, il n'y a pas de monstres. Si je me souviens bien, dans le dessin. Ah, s'il y a des monstres. J'ai rien dit. Sur la version NES, il y en avait aussi. Ah, un bouclier. Bon, par contre, Riz, pour les foutre par terre, c'est la plus rapide. Hein. On se l'accorde. Hein. Parce que Riz, elle fait hop, elle se bim par terre, alors que. Toi, elle fait quoi, elle? Pareil. Alors que lui, il donne deux coups, en fait. C'est en deux coups. On va dire que c'est ça un petit peu son point faible, on va dire. Ah, une statuette d'or. Enfin, une statuette d'or. Une idole d'or. Pour reprendre les PV, tout ça, c'est cool, ça. Ce qu'on va faire là. Parce que ça sent sûrement le boss, je pense. Donc on va sauvegarder. Même si j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué même pas. Ah, on a quand même XP quoi. On a quand même monté d'un niveau. Ok. Bon, si vous voulez. Par contre, avec OK, etc. Je vais essayer de monter la meilleure équipe que possible. Soit je fais Oak. Je fais. Full DPS. Donc full attaquant. Donc du coup, Durant, Oak et Mister. Kevin, ou soit je mets aussi putain je me prends cher là. C'est vrai, c'est comme ça pour faire les coups. Et si pam pam pam. Oh, putain, je prends cher hein. J'esquive pas en fait avec elle. Voilà, puis elle tape pas fort hein. Je te l'avoue, elle tape pas fort. C'est pas fou, comme on dit. Allez, suivant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Qui va là? C'est la princesse. Princesse Angela. Excusez-moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Oh là. Ils ont l'air chaud les golems là. Hein. Bon, attendez, c'est pas possible. On n'est pas obligé de perdre ce combat. Non. Par contre, ils sont trop chiants en fait. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, on peut pas les faire tomber. C'est chaud quand même, hein. Ils sont forts. Hein. Thank you.
Putain, je leur fais rien comme dégâts, quoi. Ah bah, ils sont pas si forts que ça. Ils font pas beaucoup de dégâts, en fait. Oh! Pourquoi il est stun? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit stun? C'est ce qui fait le plus mal en fait. Ce qui fait le plus mal, c'est ça, c'est... Voilà, c'est bon, end mort. Non, du coup, je vais me redonner des PV avant. Je vais quand même les ressusciter pour qu'ils gagnent des XP quand même. Hein. C'est con qu'ils gagnent pas les XP quoi. Oh, oh, oh. Allez. Ok, le mec il est passé à travers. Bon bah du coup je spam la magie, hein. Je peux plus. Bon bah du coup on va attaquer physique alors. Ah non elle est morte, merde. Merde elle est morte, j'ai pas fait gaffe. Le canon du gars dans le village. J'aurais dû quand même un petit peu XP monter au moins niveau 10. Parce que vous avez vu, là j'ai un petit peu galéré. Mais après, c'est peut-être ma stratégie qui est un peu mauvaise. J'aurais peut-être dû changer de stratégie. Me focus sur un seul monstre à la fois. Comme ils l'ont dit, mais après le deuxième, il m'aurait fait embêter. Il m'aurait embêté. Attends, il y a peut-être un truc qui bloque, qui gêne là. J'ai regardé. Il y a peut-être ça là qui gêne. Je vais la supprimer, la chatbox. Oui. Voilà, c'est peut-être mieux sans la chatbox en fait. Oh, on est directement ici. Ouais, donc du coup, par contre, il va falloir me dire en fait. Surtout ne sauvegarde pas sur ta partie d'avant, sur la première sauvegarde. Que je pense que je vais faire la vidéo du boss, mais enfin juste le boss quoi, donc les gnomes. Où est la manette? Alors ah, peut-être aller
Ma belle journée. Je m'appelle ma belle journée. Je suis ma belle journée. La sœur de professeur bombe journée. Mon frère se prétend à chimiste. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il est où? Il est là. Ma belle journée. Quoi, le pont était déjà... Bonjour à toi, Atan. Bienvenue sur le stream. J'espère que pour l'instant, ça te plaît. Bon, on n'est pas nombreux, on n'est que deux, toi et moi. Mais bon, ça devrait venir. Je sais pas si le son du jeu est équitable avec le son. Je vais regarder un truc, j'ai même pas fait gaffe en fait. Est-ce que... Oui. Coucou pour le croix. Comment vas-tu? Bon, du coup, faut utiliser ça. Turbo canon ultra fabuleux numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 1? Nitro. Ok, donc du coup on sert de... Ok. Bon, j'imagine qu'il faut trouver cet explosif maintenant. On devrait demander aux gens. Bah allons demander aux gens. On doit parler beaucoup. On doit parler à beaucoup de personnes. Donc. Un vieux pépé. De la nitrodynamite, je suis pratiquement sûr que les nains en utilisent pour creuser les galeries de leur mine. Oh oh! Vous savez ce que ça veut dire, ça? On va aller voir les nains. Oui, il est pas stylé. L'entrée de la galerie des nains se trouve dans la brèche. C'est là que vous les trouverez. Donc du coup, on va aller voir les nains pour avoir la nitrodynamite. J'ai déjà regardé les armes. Je crois qu'on n'a pas d'armes pour mon perso. Enfin, pour mes persos. C'était pour le javelot, je crois. Ouais, c'est ça. Après, j'ai 31 d'attaque avec lui, quand même. Donc, c'est un petit peu normal que je suis un petit peu au-dessus avec lui. Enfin, niveau force. Je pense que Durant aurait été un peu plus haut. Donc, du coup, on doit aller dans la brèche. On doit aller à la brèche. Pour le... Pour les nains. On va y aller. Hein. On va en profiter pour un petit peu XP. En même temps. Par contre, orbe sacré, là, arrête d'utiliser ça, toi. Putain, mais elle utilise, mais elle les défonce. Mais c'est chiant, c'est parce que... Bon, par contre, elle m'énerve, elle utilise tout le temps sa magie. Là. On va arriver au boss, ça va être à court. Je me suis pas fait toucher.
Ah, peut-être sur le retour. Ah ouais, peut-être. Bon, on verra. Hein. Du coup, il y a des PV là, donc c'est bien, c'est cool. Oh, ça va, on a dépassé tous les 200 PV. Enfin, après, c'est normal. Comment elle s'appelle? Angela, là, le truc... Wow. Wow. Donc, c'est ce qui est cool, c'est que j'ai remarqué quelque chose. C'est que on a... Voilà, c'est ça en fait. Une fois que l'animation est activée, on peut se... On peut directement faire une glissade, une tornade, n'importe quoi. Ah, je l'ai pas encore avec elle. Voilà, c'est bon. Voilà, boum, tout le monde. Voilà, il reste plus qu'un, boum, tout le monde. Oh putain, mais il m'a eu quand même quoi. Comment il a fait pour m'avoir, je ne sais pas, mais il m'a eu quand même. Bon allez, continue. Eh, là-bas, j'ai pas été. C'est de là que je viens. Non, j'ai pas encore été, excusez-moi. Donc, allez, lapin. Il est pinou. Allez, mettez-vous là tous. Allez. Lui, Voilà, c'est bon, allez. Bam. 3. Bon, ce qui est bien avec... Avec elle, c'est que... Désolé, Algu, je peux pas, je suis en stream. Je ne peux pas. Désolé, Algu. Piou, piou, piou. Voilà, c'est bon. Tous morts. En fait, j'ai fait le tour. C'est ça, j'ai fait le tour. Bon, par contre, les gens, si vous jouez sur PS4, comment on fait pour enlever les notifications, genre de demande pour faire un groupe, pour faire ci, pour faire ça? Parce que j'arrête pas d'être harcelé en... Enfin, j'arrête pas en live. Enfin, quand je suis en live, à chaque fois, je me fais inviter. Quand je suis pas en live, jamais. Mais quand je suis en live, toujours. Oula, hop, boum. Allez, voilà, c'est fait. Et le petit là, bah la pile. Il est mort, la pile. Faut que je m'entraîne avec... pour Angelo, mais elle... Je m'en doutais que j'allais me faire avoir. Voilà, c'est bon. Par contre, je viens de remarquer, ils ont du mal à esquiver, hein, les autres. Enfin, elle a esquivé au moment où elle s'est pris coup, en fait. Donc, ça sert trop à rien, en fait. Juste de faire en fait ça. Donc, du coup, pour les tuer plus facilement, merde, je suis un petit peu allé, je suis un petit peu trop loin. C'était avant que je devais partir. Donc du coup, c'était là-bas. Go go go. Allez go. C'est ouf. Il y a des PV d'abord. On va prendre des PV. Parce que quand des méchants en haut, je te parie. Après, ça va aller si je fais mon point d'Azura là. Bon, du coup, pas toi. Toi. C'est pas grave si je me fais focus. Est-ce qu'ils ont réglé le bug ?
Il y a un bug dedans, c'est si on fait ça, si on fait ça. Voilà, c'est ça. Non, ils l'ont toujours pas là. En fait, si on fait. Si on saute, on appuie vite fait sur. Sur attaque. Ah, non, Ombra. Ah, j'aurais dû être comme ça contre les loups-garous. Contre les. Contre les méchants. Enfin, contre les robots en loups-garous. Non, j'en fous complètement. Ok. Non, elle est trop gentille, elle. Si vous voulez bien vous donner la peine. Bah oui, je vais me donner la peine. Bon, par contre, on va se soigner. Parce qu'on a bien pris cher. Non. Je sauvegarde pas parce que j'ai pas envie de sauvegarder sur ma partie sans le faire exprès. Enfin, je l'ai quand même sauvegardé, mais plus tard. Donc, du coup, là, on est dans les grettes. D'accord. Donc c'est ce que je voulais savoir depuis X temps et ils me le disent maintenant. Donc du coup, mes sorts, donc les sorts d'attaque c'est l'intelligence, les sorts de soins c'est la sagesse, la chance c'est les projectiles, la chance d'esquiver des projectiles. D'accord. Okay. Bah. Ah, des nouvelles armes. On va les voir. Mais qui veulent pas. Mais putain, mais ils ont déjà investi les lieux, eux, quoi. Je crois vraiment chez leurs parents, quoi. Allez, donne-moi ce que je veux. Acheter. Gants à pique. Oui. Salte de sorcière. Et framé. Alors, du coup, gants à pique, ça donne quoi? C'est des gants normales, en fait. Dire grand normal quoi, des gants, gants à pique. Robe de sorcière. Acheter. Pourquoi plume? Acheter. Et pourquoi four? Quelque chose. Ah, par contre, je revends jamais mes équipements. Faut jamais revendre ses équipements dans les jeux comme ça. Enfin, dans celui-là, parce que t'as un succès avec ça. Où tu dois garder tout tes équipements. Enfin, tu dois avoir tous les équipements dans ta veste, dans ton truc. Oh, nectar. Dans ton encyclopédie. Sauf qu'il n'y a pas d'encyclopédie de monstres ici. Je fouille un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a souvent des objets qui se trouvent ici. La preuve. Un petit bonbon. Du coup, on va directement aller voir lui. C'est lui. C'est pas lui. C'est lui. D'accord. Chercher Watts. Donc Watts, c'est... Je pensais être bloqué. C'est lui. Je veux bien. Qu'est-ce qu'il va avoir de différent des autres nains? Watts. Lui qu'à voir, c'est le chef des nains.
et le mec y a rien. Nous on s'est fait défoncer et le mec y a rien. Quand même quoi. Punaise. Waouh, niveau 10, oh, ça va, je suis niveau 11. J'ai eu peur, j'ai vu niveau 10, oh, putain, ça va défoncer. Vous êtes où? C'est là. Voilà, c'est bon. Oh, par contre, j'ai pas direct. J'ai... Oh, un hérisson. Ah, voilà Sonic. Il y a Sonic. Mais esquive, merde, hein. Elle esquive pas cette Valkyrie. Elle se laisse taper. Bon, ouais, je peux pas monter par là, du coup ça va être à la fin. Et là, je peux le casser, je m'en doutais que je peux le casser, je peux le casser. Voilà, c'est bon. Hop. Ah, même dans les airs, il peut te taper. Ok. Je pensais que comme on était en saut, on pouvait pas se faire avoir par les projectiles. Bah si. Bon. Ok. Par contre, il faudrait peut-être que je les fasse évoluer parce que là... Ils ont encore tous leurs points. Ils ont encore tous leurs points. Ça me dérange pas de jouer, de pas attribuer les points. Allez. What's... ?5000 pièces d'or. Gnome. Et du coup, on doit trouver Gnome. Oui, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Oh, des slimes. Des slimes. Des gluants. Wow. Ils ont un Rex, ils ont un truc de fou. On en parle de la gonzesse qui reste dans ses attaques là. Riz. Bon du coup je me fais défoncer par le poison. C'est pas grave, on va aller voir la madame qui soigne. On retourne en arrière, on va aller voir la statue. Hop, code sur code magique. J'ai quelque chose à changer aussi, faut que je change quelque chose sur ma face, enfin le truc de streaming, faut que je change le processeur. Parce que j'ai mis le processeur vraiment haut et ça a l'air de faire souffrir le PC. Surtout qu'en plus je télécharge en même temps. On va y dormir, ça ira mieux. Ça ira plus vite si on va dormir en même temps. Un coffre, j'ai failli passer à côté de ce coffre. Ok, bon, bah, je dis, hein, de toute façon, ils pensent que je suis nul au jeu parce qu'ils veulent me donner des. Tout le temps le même. Tout le temps. Griffe de Topérisson. Suivre de monstre, patte de Cerbère, fléchette,
Ah oui, c'est vrai, c'est les objets. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, du coup, hop, on va soigner. Il y a des objets pour. Qu'on appelle ça? Ah, comment vous dire ça, vous expliquer? Des objets pour attaquer, en fait. C'est ça, c'est des objets pour attaquer. Non, je sauvegarde pas maintenant. Par contre, du coup, là, ça va être le. Je vais changer les stratégies. Donc, du coup, même ennemi, bah, lui, on va mettre. Ça. Attaque systématique. Attaque uniquement. Aucune aide ou récupération de PV. Offensif se préoccupe de l'attaque. Équilibre entre attaque et soutien. Voilà, usage réfléchi. On va les mettre. On va mettre en usage réfléchi. Même ennemi. Même ennemi. Même ennemi. Hop, comme ça, on attaque tous le même. Ça sera un peu plus facile pour les filles de pas se faire quasiment OS quoi. Donc du coup, je pense que ouais, je pense que Angela, ça sera mon DPS. Kevin, mon tank. Il faut que je trouve quelque chose pour Kevin. Une classe pour Kevin où il peut tanker. Ouais, je verrai sur l'explication des trucs qu'ils vont nous donner des classes. Voilà, j'ai plus mon mode loup. Parce que j'ai dormi jusqu'au petit matin. Ouais, hop, ça vous prend. Voilà, c'est bon, on attaque à eux. Voilà, c'est bon. Ah, on gagne des points quand on attaque avec la magie du. Ok. Bon, par contre, j'ai pas envie de me casser les. Hein? C'est tout? On en a déjà tué un, c'est bien. Il est où le deuxième? Il est là. Allez, tout dessus, ouais. On lui a mis sa misère. Un biscuit bizarre. Ok. Je peux pas aller là-bas? Peut-être sur le retour. On va voir. Attention, toi tu vas tomber. Attention. Voilà, c'est bon. Hop. Wow! Ils ont une attaque pour faire tomber eux. Enfin, leur attaque fait tomber directement. Ah, du coup, on est là. Ah, ok. Pardon. C'est où ça? Objet. Coupe céleste. Mais oui, bien sûr. Code sortie. Graine objet. Allez, double attaque. Mais double attaque, c'est quoi? Pourquoi il y a double attaque qui apparaît de temps en temps? Je comprends pas le système double attaque là. Bon, par contre, Miss Angela l'a pris cher. Hein. Là, je suis dans le truc de poison, j'ai pas le choix. Bon, par contre, elle prend trop cher, Angela là. Elle est empoisonnée, elle a plus de PV. J'ai envie de dire vivement qu'on peut utiliser les soins. Oh, le petit, ok. J'ai retrouvé le totem. Le petit panda. Le petit panda, le petit cactus, excusez-moi. Donc deuxième sur 5.
Vous en trois encore et vous aurez une récompense pour toi. Il a foncé dans le vide, je crois. Je l'ai tué avant. Tout ça pour un bonbon. T'as pas de bouclier? Non, pas de bouclier. Oh, punaise. Allez, go. En fait, faut que je pense plus à... Ok. Ça faisait longtemps, vous. Voilà, tiens, hop. Attaquer en même temps, vite. Lui, là. Allez, on se focus sur lui. Riz, reste un petit peu en retrait, quand même. Hein. Vas-y, j'ai pas trop attaqué, on sait jamais. Ouais, donc du coup, on peut continuer. Ah, il y a la... Donc c'est par là qu'on doit aller, je pense. Non, même pas. Non, même pas, c'est une zone. Ok, bon, du coup, on va y aller. Je récupère l'objet. Hop. Je vais par là. Ok. Donc, du coup, c'est là où on voyait d'en haut. C'est quoi ça? Okay. Bon, on va aller voir l'autre côté avant de sauvegarder. Je pense que... Voilà. Je pense que ça devrait être bon, hein. Bon, je vais faire quand même une heure. Une petite... Oh. Au gobelin. Oh, le carnage. Bon, je frappe un peu plus fort déjà, c'est pas mal, hein. J'en avais un peu marre des... Du coup, il y a quoi ici? C'est de l'argent, je te parie. 30 PO, 40 PO, 40 PO. En plus, on peut monter par là. Deux hauts gobelins. Je fais ça, ça casse leur défense, c'est pas mal ça. Ah non, c'est le truc qui le casse. J'aime beaucoup ces persos. Ces gobelins là. Les gobelins, je trouve que les monstres sont trop qu'ils sont pas. Ils font pas peur, c'est pas des monstres, voilà. Mais ils sont trop kawaii en fait. Ils sont trop mignons. Le mec qui en kiffe sur les monstres quoi. Alors qu'il les bute. C'est pas très grave. Donc, du coup si je passe par là, je vais où? Oh par contre. Ouais. Ah c'est des hauts gobelins, j'avais pas fait gaffe. Voilà, allez hop, les deux. Ça c'est fait comme ça. Oh merde. Bon. Du coup les hauts gobelins ils ont toujours un bouclier, c'est ça? C'est moi ou ils nous ont foutu un? Ah ça va, c'est juste... une diminution de... Oh, et en fait, voilà, c'est ça sa spécialité, c'est qu'elle a une portée de fou en fait. Riz. C'est ça son atout, c'est qu'elle a une portée en fait. Elle a une meilleure portée que les autres, c'est tout. C'est pas fou fou fou, hein, Riz. Là. Boum. Bam. Bam. Hop là. Bam. Hop, c'est bon. Hop. Toi, tu vas mourir. Roussette. Je me demande, c'est quand on change, parce que je sais qu'on va changer de classe. Si on change de classe, est-ce que nos... Comment on appelle ça? Nos combos changent. Moi, je voudrais bien savoir ça. C'est genre, par exemple, ils nous rajoutent un coup ou autre, quoi. Allez, tornado. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça casse la défense. Hein. Enfin, les monstres...
protéger, ça les casse. Ok, je m'en doutais de celle-là. Et ça, j'avais pas fait gaffe que c'est en fait c'est un truc 1, 2, puis non. Puis en fait, elle fait une AO en fait, c'est une AO autour d'elle. Encore? Et décidément, il me pense nul le jeu, c'est pas possible. Hein. Non, ça c'est bon. D'accord, donc le coup fort est toujours plus fort. Enfin. À la fin d'un combo, ça fait plus de dégâts en fait. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Bon, on va quand même soigner parce que là. Miss. La magicienne là se prend un petit peu. Là, je pouvais pas faire autrement que me le prendre là. Je suis dessus. Ah, c'est bon. Là, c'est tout mort là. Encore un ? Ah non, je veux dire. Moi, ça va, je suis niveau 12. Ça devrait. Non. Je pense que je vais faire ça. En fait, je vais me concentrer sur le jeu. Le finir une fois. Et après, revenir pour. Et refaire le jeu une deuxième fois avec des petits défis. Ça peut être sympa. C'est vrai, donc en... Le chef. Waouh. Tu vas te calmer, toi. Voilà. Voilà, tac. C'est bon. J'ai pris cher, hein. Punaise. Donc c'est bien eux qui font de la magie, enfin la magie. C'est bien un grand mot quoi, mais c'est eux qui utilisent la magie pour nous diminuer la magie, enfin pour nous faire baisser notre intelligence. Elle a utilisé bonbon. Il y a un truc de soin là. Crétin. Non. Moi, bon, désolé, c'est un petit peu du leveling là. Hein. Mais il faut bien dans les jeux. Hein. Et voilà. Alors, ensuite. Si je fais, je dis si je critique les autres qui esquivent pas et que j'esquive pas à mon tour, enfin voilà quoi. Bon, allez, du coup, tornade. Ah, plus que voilà, ils sont morts. Plus que les oiseaux. Ah, les oiseaux, les chauves-souris. Plus que les coronas. Petit objet. Oh, 20 PO, ça va. Ça va si je reçois des petits PO et des trucs comme ça. Ouais, la magie. Bon, je pense que c'est bon là. Je vais sauvegarder. Donc, du coup, oui. Par contre, sur la deuxième partie, oui. Comme j'ai envie de faire le boss en vidéo.
sans le boss ici. Il y a deux trucs de soins, là, soins et mana. Alors qu'on a une statue pas loin. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce trou? J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais? Vous avez entendu ça? Ah oui, ça, je m'en souviens. Ah putain, je m'en souviens de ce boss. C'est lui le plus chiant, c'est lui que j'aime pas. Ça, voilà, il faisait ça, si je m'en souviens. Ah, j'ai des bons souvenirs quand même, hein, de ce boss. C'est bon, il est sonné. Donc c'est ça, chaque boss a un truc de stun en fait. Voilà, c'est bon. Là, il va s'énerver, il s'énerve un peu. Il va faire sa... Voilà, sa zone. Truc qu'on peut pas esquiver, bien sûr. Hein. Vraiment, faut pas être dans ses pattes, hein, comme moi j'ai fait. Hein. Vas-y. Alors quand il faut pas me soigner, il me soigne et puis quand faut... Eh, par contre j'ai plus mes. Heureusement j'ai bien fait Voilà, c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que je me fais stun quand je... Non, en fait c'est un truc pour... ok. Du coup on va faire des techniques, hein. Bim, bim, allez hop. J'en ai deux, avec chaque perso à faire. Tant qu'à faire, ouais. Bon, par contre avec... Waouh, elle fait trop mal, elle. En fait, son ulti, lui. Son attaque de... Après, c'est peut-être... par contre, il va s'énerver, il va se mettre au milieu, il va faire son nombre de chocs, là. Je me mets là, hop, comme ça, personne... Oh putain, je me suis fait... J'ai rien dit... En fait, je vais pas faire ça pour pas se faire avoir. Je vais prendre ça, puis utiliser ma technique dessus. Ah, il me manque 10. Là-bas. Oui, on l'a battu, ouais. Il était simple, hein. Franchement, je suis en difficile, là. Hein. Donc les monstres me font plus mal. Mais ça va, il était simple. Voilà, pour XP, pim, 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 hop, 14 tous, 14. Le croc, j'aime. On a de la chance, pas vraiment. C'est moche. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête, ça.
寝とったら、やつに食われとったかも。あそんな、笑い事じゃないですよ。ノームさん、私たちに力を貸して。ほほー、かわいこちゃんのお出ましじゃ。あはっ、やは、やいやいやい。お願い、プジッサー。断れないたちでの。OK。Par contre, s'il saute tout le temps comme ça, il va m'énerver. Alors, magie élémentaire de terre. Maintenant que vous disposez des pouvoirs de gnome, vous pouvez faire appel à la magie élémentaire de terre en affectant des points d'évolution. Alors, lame de diamant. Voici quelques lames de diamant, bonus de protection, missiles de diamant. Je sais pas ce que j'ai avec. Avec Miss... avec eux, j'ai rien, je crois. Je peux rien avoir en magie. Elle a la bourrasque, orbe sacrée. Elle a missile diamant, c'est ça, missile de diamant. Donc du coup, on va lui monter à fond pour qu'elle ait tout. Comme ça, la bonus MP, etc., etc. Ça, je sais. Bonus MP de victoire. À la place du truc des PV, peut-être, ouais, ça serait mieux. Du coup, on va continuer l'évolution de ce perso. Qu'est-ce que je pouvais mettre ? Bourrasque. Missile. Sagesse, c'est pas pour les soins, j'avais dit ? Et l'intelligence, c'est pour... C'est quoi qu'elle a à fond ? Sagesse. Je vais lui foutre en intelligence aussi. Tant pis pour missile de diamant là. Mais je pense qu'elle est plus basée sur. En fait, j'ai pris ça, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être plus dans ça qu'elle est. Hein. Même si on en a que 5, hein, tu vois. À moins que j'en ai mis 4, et comme ça, je peux avoir missile de diamant là. Et du coup, hop. Après, il m'en manquera plus que 2 à mettre là. Et puis après, bah, j'aurai fini. Bah, c'est bon, je vais faire ça. Rupture de limite. Dégâts magiques infligés augmentent de 5. Missile de diamant PM 5 inflige des dégâts de magie de terre. S'équiper d'un ou plusieurs compétences après, oui. Bonus PM augmente les PM de base de 10. Les régénère 2 PM lorsque. Ok. C'était quoi le truc que j'avais ? Rupture de limite ? C'est ça ? Ça, faut peut-être que j'augmente plus ça. Là, je vais de. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est le truc spécifique de classe. On va prendre elle, on va faire ça. C'est comme ça. Attends, c'est comment? Ouais, c'est ça. C'est, on va dans l'anneau, on prend ça, hop, on le met là. Voilà. Par la manche de ma pioche, vous et le puissant gnome, vous êtes copains. Je suis désolé d'avoir été si grossier tout à l'heure. Tenez, prenez cette nitrodynamite. Si, ça me fait plaisir, je vous l'offre. Vous obtenez nitrodynamite. Tenez, je vous renvoie directement à l'entrée de la galerie des nains grâce à cette torche de corde magique. Non. Je préfère retraverser tout à pied. Pour faire de l'XP. retournez voir Bombe Journée. Belle journée, Bombe Journée. Y'a plus de monstre ? Ah si. Monsieur Blimonstre, où êtes-vous ? Bah y'a plus de monstre, ah si. Alors. C'est quoi ça ? D'accord, donc du coup il y a des résistances et tout quoi. Toi tu dois être faible à la magie. Bof. Par contre c'est bien, c'est parce que ça attaque plusieurs fois. C'est ce qui est cool. C'est. Bon par contre ouais. Je vais pas rester avec toi, hein. Désolé.
Je pense même que le monstre, j'aurais pu le faire solo en fait avec mon perso. Avec mon avec Kevin. Je pense. Parce que Kevin, il est badass hein, quand même, il est puissant. Hein. Riz, je pense. Ouais, Riz, là. Je pense que je vais la foutre dans l'attaque. Hein. Parce qu'elle n'est pas très forte. Hein. Ah oui, j'ai des trucs à mettre, j'ai des caractéristiques à mettre. Kevin, on va pouvoir lui mettre quoi? Bonus PV. Compétences partagées du prêtre de la lumière. Compétences partagées du noble de Jad. Rupture de limite, dégâts magiques, ça on s'en fout, on en a pas besoin, il en a pas besoin. Alors, on va mettre ça. Bah non. Pas des PM, il n'en a pas besoin de PM, c'est plutôt les PV qu'il faut. Compétences de classage, j'en ai pas. Mais ils sont pas mal quand même. Ah, pointe, parce qu'il y a une pointe dessus. Ok, bon. Si tu veux. Pourquoi j'ai pas encore fait les évolutions des persos. Il y en a 3 partout. Elle en avait 4 là, donc je pense que c'était ça. Précision extrême. Probabilité d'infliger un coup critique augmente de 10%. Ça pourrait être cool pour Kevin. Ça pourrait être cool pour Kevin. En force, du coup, là, ça aussi. Augmente sa force, sa résistance, cran. Attaque, ouais, altération d'état. Juste retour 10 minutes, 10%. Donc, ouais. Bon. Vous savez quoi? Donc, on va tuer eux. Boum. J'adore cette magie. Mais bon, elle fait pas assez de dégâts. Par contre, sur eux. Ah, ça fait trop mal. Voilà, c'est bon. Ah, c'est vrai, elle regagne 2 PP à chaque fois qu'elle tue quelqu'un. Donc, si elle tue quelqu'un en faisant sa magie, au lieu d'en utiliser 5, on en utilise que 3. C'est pas trop mal, ça. Hein. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour ce stream ce matin. Je pense. Non, là. Parce que c'était un boss sur le 3. Donc, sur là, c'est le. Comment on appelle ça? C'est les deux gnomes. Les gnomes robots. Là, c'est le croc gemme. Je pense que je ferai un. Enfin, voilà. Bon, voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce live, même si on n'était pas très très nombreux. C'était cool. J'ai bien apprécié. Ah, si, on était quand même nombreux. Commando Roots, Lurx, Popo Locroix 75 et Stripfang. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.